toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Company of Heroes 2 et pour un nouveau replay. Les Anglais sont sortis depuis un moment et sont très déséquilibrés, c'est pour ça que vous avez plus beaucoup de replays sur ce jeu parce qu'il faut attendre le rééquilibrage. Donc je serai accompagné Delta dans cette partie et on sera en duo contre deux Anglais justement. Et encore, cette map là est assez grande, donc ça évite en 2v2, donc c'est encore gérable. Mais vous comprendrez très vite le problème des Anglais. Donc les Anglais sont une nouvelle faction, ce qui pose assez soucis, globalement parce qu'ils sont assez OP. Qu'on soit clair et net. Surtout, là c'est les commandants de base, ça va encore. Leurs commandants payants sont encore plus fumés que ça, donc il faut vraiment attendre un équilibrage. Et actuellement, il est très dur de jouer allemand contre les Anglais. Hein. C'est triste, mais c'est la vérité. Donc, je serai Oberkommando sur cette partie. Je serai accompagné de Delta qui sera Wehrmacht. Il venait de se remettre au jeu avec moi. Enfin, on sera donc opposé à deux Anglais. Donc, les Anglais, ils ont trois bâtiments construire, donc le premier bâtiment et les autres bâtiments. Ils peuvent avoir des lance-roquettes et des mitrailleuses une fois que vous avez acheté la recherche. De base, ils peuvent faire des actions d'infanterie et des MG qui ont, d'après moi, une portée largement supérieure aux autres mitrailleuses en tir en arc de tir. Après, bon, ils peuvent pas préparer sur Escouade à 5. C'est vraiment une faction, je trouve, que vous verrez dans mes replays, assez fumée. Je vous ferai pas de présentation de faction parce que. Elle n'est pas encore équilibrée et ça vaut pas encore le coup. Donc, c'est la map Ober... je sais plus le nom de la map. C'est la première fois qu'on joue sur cette map tous les deux. Même moi qui joue depuis un moment. Je fais rarement 2v2, voilà. Alors, l'une des particularités des troupes anglaises, je préfère le dire tout de suite, c'est quand elles sont à couvert, leurs troupes gagnent non seulement le bonus de couverture, mais gagnent une cadence de tir supérieure. C'est ça l'un des gros problèmes des Anglais. Au level 1, c'est une impression personnelle, je vais quand même vérifier. Bah, au level 2, ils gagnent énormément de points de vie et ils rendent les squads quasiment increvables, enfin intuables. Donc moi, je partais sur un starter habituel, donc le bâtiment là, plus triple vox en indien avec le squad monster pinner au début. Delta part sur une mitrailleuse. Excusez-moi, ça en haut à droite. Affichage un peu plus gros. Et deux avec le sapeur plus deux grenadiers. On a donc un départ assez standard. Je pars sur Stormtiger parce que depuis sa modification, ses roquettes tirent à travers les bâtiments. Donc ça a une très bonne puissance de feu. Et niveau d'en face, je sais plus leur niveau qu'ils avaient. C'était pas mauvais. Ah, c'est surtout qu'ils sont anglais aussi, donc ça leur donne un bon... Être anglais leur donne déjà un bon bonus de base. Hein. Bah, la mitrailleuse a fait se replier. Alors pour nous, notre priorité c'est vraiment de prendre les flancs. Ce qui peut surprendre beaucoup de joueurs, mais l'avantage en prenant les flancs, c'est qu'on a, pour moi, c'était de pousser jusqu'ici, c'est de récupérer essence, ça donne un très gros boost économique, ça nous aurait donné. Et surtout aux anglais, ça les aurait très handicapés. Et de l'autre côté, c'était pour avoir une munition. Pour moi, en tant qu'Oberkommando, avoir des munitions et de l'essence, c'est toujours indispensable, hein, étant donné que j'en gagne moins rapidement que les autres factions. Et on fait avec. Donc les Anglais sont plutôt à trade, donc ils sortent avec Ulia pour bien m'emmerder. Avec un bon petit en slam et une gang en slam est un peu fumée. À une époque, c'est toi de shotter un poké squad, mais bon. Alors, choisir la décision de me replier, bah, ça sert à rien de gaspiller mes troupes dessus. On se replie, on attend un peu. Ouais, j'ai vu un mitrailleur ennemi. Hein, mais... Pour moi, une MG42 n'a pas un arc de tir comme aussi grand d'ailleurs. Delta, j'ai besoin de toi. T'as une mitrailleuse quelque part. Le bunker a été transformé en centre de soins d'urgence.
La portée doit être légèrement supérieure à la mitrailleuse britannique. Très légèrement. Bah, c'est une impression. En jeu, c'est l'impression que j'ai, hein, en tout cas. Ça... Bon, c'est possible que ce soit la même stat. Donc, en face, on a un qui part sur les commandos. Donc, ils ont des planeurs avec des commandos. Je vais essayer à peu près. Ils ont surtout pas un sens frappe aérienne. Donc, c'est un bombardement qui coûte énormément de munitions, mais qui vous détruit n'importe quel blindé si vous restez dans la zone. Et le second a pris le Havre. Donc, c'est un Storm Tiger. Grosso modo, mais à quelques différences. Tenez bon, voilà, c'est vraiment des positions défensives. Leur faction est vraiment défensive et au milieu, ils sont amusés à. D'ailleurs, quand on sort bordel, sur petite map, c'est affreux parce que quand ils ont le milieu, ben. Ils vous exposent. Mais le problème, c'est que si vous n'allez pas sur les flancs, ben ils prennent les ressources et vous êtes dans la merde en tant que mort. Donc c'est dur. Donc au milieu, ils font double mortier. Mortier double, donc faut savoir que les bâtiments anglais. Quand vous avez une troupe à l'intérieur, gagne un bonus. Chou et mortier, ça doit être le bonus de garnison, ça doit être tir plus vite. Eux, bonus, leur bonus, c'est que ça fait de la suppression, le bonus de garnison. Il peut avoir qu'une escouade dans le bâtiment, je suis d'accord. Or ici, j'ai pas déployé le bâtiment là, mais j'ai fait ça pour contrer notamment ça et ça. Parce que... Leur portée de tir est assez importante, je crois que ça peut tirer jusque là. Et ça va vraiment nous aider. Hein. Ils ont en face aucune arme anti-char. Vraiment. Je tire sur position, je sais que le bâtiment est là. Je vois que je fais pas de dégâts, je me dis bon, on va avancer, voilà, on va vraiment le faire. Là, il construit. Il veut construire un canon anti-char. Un bâtiment en construction, il faut 3 tirs pour détruire. Donc, concentration de la puissance de feu dessus. Boum, allez hop. Tu utilises la compétence pour réparer. Je maintiens le feu dessus, je me dis bon. Ça a beau être blindé, restez pas trop mal au tir au Beaufort. Les mortiers, celui qui a quelques-uns de chanceux, il pourrait faire beaucoup de dégâts, donc soyons prudents. J'essaie de détruire ça, donc là j'ai déjà détruit barbelé. Il faudrait qu'un char vienne écraser pour qu'il puisse passer normalement. Je testais, hein. Delta fait un sniper parce qu'il y a toujours une mitraille dans ce bâtiment et c'est assez dérangeant dans cette église. Et au milieu, ben. Mine de rien, ça coûte assez cher un canon anti-char. Ça doit coûter 80, je crois, de. D'essence. Donc, cette perte-là est assez importante. De l'autre côté, Delta avance assez loin. Ce qui nous permet toujours d'avoir un peu de ressources en avance, hein, certes. Là, notre ligne de front à peu près normale parce que bon, ils sont un peu avancés chez nous, mais eux, leur ligne de front sont fait enfoncer jusqu'ici, donc d'un côté c'est bien. Moi, je continue à essayer de récupérer, toujours gratter un peu de ressources. Regardez, je gagne pas d'essence, je suis toujours à la dèche. Donc voilà, là, je déploie enfin mon camion. J'ai préféré faire ce véhicule là parce que j'en avais vraiment besoin. Et en plus, pour que le camion arrive là, il faut qu'il fasse tout le tour. Donc, vraiment, pour moi, j'ai fait le bon choix. Et Delta a pris comme commandant le tigre normal avec le camion. C'est pour ça qu'il gagne beaucoup plus de ressources que moi. Alors, le seul souci de Delta, bon, on a déjà parlé, mais c'est sa stratégie qui est comme ça, c'est qu'il aime bien jouer avec très peu d'unités. Après voilà, c'est un style de jeu particulier, voilà, c'est quand même bien minimiser ses troupes. Donc c'est normal que vous voyez qu'il n'y ait pas énormément d'unités sur son front. A l'inverse de moi, vous voyez, j'ai quand même 5 unités, un canon anti-char plus un truc, Delta, 2 fusillés, 2 grenadiers, une mitrailleuse. On est à peu près égal en unités, mais cette unité-là n'a pas la même efficacité que mienne. Après bon... Les commandos sont ultra fumés au corps à corps. Et au milieu, grâce à ce qu'il a fait avec son Oswin, j'ai pu tirer dessus. Le souci, c'est qu'on a découvert qu'ils se sont retranchés. Et leur retranchement dure
30 secondes, je crois. Donc voilà. Et là, j'envoie mon troupe ici, mes troupes ici pour avoir un visuel. Hein, c'est... Voilà. Mon attaque a réussi. Parce que notre but, c'était vraiment d'être sur ça. Le troupeau va se faire plier. Mon chasseur de chars reste derrière. Et je donne les ordres de tirer sur le bâtiment. J'ai un peu trop avancé à mon coup. Je sais pas s'ils ont déblindé ou des armes anti-chars, donc je me dis. Autant rester prudent. Là, ma grande incendiaire a un autre aide des équipages, donc il faudra qu'il récupère l'ennemi. Ah si, le canon anti-char, voilà. J'ai vu le canon anti-char avec le raid aérien. C'est pour ça que je repousse aussi mon blindé. Voilà. De mon côté, j'ai infiltré une unité d'infanterie pour faire chier ici. Vous voyez, ils ont bien repris à gauche à cause du planeur. Qui est ici. Les unités sont maintenant prêtes à utiliser les tactiques et entraînements en clume. Et là, Delta, bon, ben, il doit reprendre. Hein. Je peux pas trop permettre de lui envoyer plein de troupes pour l'aider. Je me dis bon. Allez. On a des Airbox soldats, on a une recove vu que maintenant leur beaufort est détruit. Le camp de char, bien devant là, je le repère bien. Là, je suis. Le camp de char, si j'avais un doute qui était là, maintenant j'ai bien vu. En plus, il me fait sauter son bâtiment qu'il aurait pu récupérer. Donc, c'est parfait. Je dégomme le deuxième mortier. Ça doit être 400 points effectifs le mortier. Pour ma part, j'ai fait mon boulot. Là, par contre, inadvertance, j'étais occupé au milieu, j'ai pas eu le temps de sauver ses squads, donc j'ai perdu. Et si j'arrive sur son flanc, voilà. T'as assez de troupes qui restent à défendre. Il a voulu être gridé avec moi, ben ça marche pas. Il leur reste encore 300 points. Voilà. Pour nous. Delta, il faut vraiment qu'il se concentre ici. Pour ma part, il faut vraiment que l'essence soit toujours sous notre contrôle pour que j'ai des ressources, qu'il fasse plus de dépôts d'essence. Ici, je crois que je vais demander l'ordre d'écraser ça. Enfin. Voilà, maintenant qu'il a fait son boulot, il a gagné un level. Voilà, maintenant mes troupes pourront directement sortir comme ça. Mon camion pourra directement venir ici. Il y a le gars, je construis ici mon truc de réparation. En face, mon adversaire direct, c'est le... Jaune, voilà, j'avais un doute, c'est bien le jaune. Le bleu a perdu beaucoup quand même, le bleu a quasiment plus de troupes, le jaune n'a pas trop mal. Donc en face, on va regarder leur bâtiment, donc ici, ils peuvent faire les Royal Engineers pour faire le bâtiment. Un tireur d'élite avec des balles perforantes efficaces contre les véhicules légers. Canon anti-char. Le mortier de 3 pouces qui peut être construit. Et après ils doivent choisir entre... Est-ce qu'ils vont construire dans cette partie des autoblindés très puissants mais très fragiles ou préfèrent le Beaufort. Voilà, c'est un choix. Et ici après dans le dernier bâtiment, le Crusader c'est un véhicule anti-aérien et anti-infanterie. Le Crowell c'est un véhicule, voilà, c'est en gros c'est équivalent du Sherman T-34. Sherman Farmag c'est un chasseur de chars. Le canon anti-char. Et après vous avez le choix entre marteau ou enclume. Donc l'enclume vous donne accès à ça. Le Roi Junior répare plus vite, obus explosif, avertissement SP, lecture shield. Et stratégie du marteau. Les véhicules peuvent être pourchassés quand ils sont frappés, restent visés pour une période plus étendue. Pas activité peuvent aller plus vite leurs véhicules, ont de nouvelles grenades et ont le char comète qui est assez puissant. Mais bon, voilà. Alors, nous revenons à ma vue. Voilà, il se concentre un peu les deux sur moi maintenant. Ça doit être dérangeant, je pense. C'est quoi comme. Ouais, j'avais ça comme. Je sais plus bulletin, parce qu'après, je les ai changés récemment. Donc, pour ma part, l'essence est toujours un problème, mais on fait avec. Hein. On fait avec. Delta a un gros souci par contre de. Ça s'appelle de. Comment ça s'appelle? De perfectionnement. C'est que Varence avec Ugar aurait déjà dû être réparé depuis un moment. Voilà, c'est. Un petit détail, je lui dis. Ah bah il va le réparer, j'ai rien dit.
Là, je crois qu'il faut pas laisser la charpie, je la vois. L'ennemi a reconstruit au milieu un canon anti-aérien. Il construit au premier. Et comiquement, voilà, les deux, chacun choisit une stratégie. Un choisit le comète. C'est un bon char, hein, mais. Après, en face, vous avez le Churchill. Churchill qui est moins efficace contre les blindés, mais plus blindé. Comète qui est beaucoup plus efficace contre les véhicules, mais qui est beaucoup plus fragile. Et là, on a le premier Churchill qui arrive. Bon. On n'est pas au courant, nous on continue tranquillement notre bataille. Hein. Pour ma part, un bannet peut venir, j'ai mon chasseur de char. C'est peut-être méchant à dire, mais je m'en fous, un peu blindé. Après Delta, il n'y a pas de canon anti-char, je me trompe. Aucun canon anti-char. Ah, il fait un panthère. Churchill va sûrement aller sur le côté gauche. Voilà, comme prévu. Attention, Churchill peut lancer des grenades. Je me trouve à côté, donc ça peut être. Ça peut mal se passer. Alors là, j'étais dans un angle en fait de tir impossible pour un mitrailleur, j'étais juste là. Ce qui me permettait de tirer dessus sur les premières unités. Sans que ça rende compte. Donc là. Hop, je sors, je récupère le bâtiment A. Qui me donne la vision, donc je vais derrière. Et j'avance avec mes troupes. Voilà, pas plus dur comme ça. Et là, je vois au milieu. Ah. Churchill, donc. Je sais qu'il y a un panthère. Je sais qu'il y a un chasseur de char. Donc, on va le chercher à deux. Mes troupes, je positionne là pour qu'ils protègent le point le temps que je se concentre là-dessus. Donc, ici, Delta. Pour moi, Delta Fenner, il aurait dû aller ici et rester là. Pour le bokeh, parce que moi je venais de l'autre côté. Quoi qu'il en soit, le moteur est détruit. J'ai mis Obu 8 qui augmente la pénétration et la portée d'attaque. Donc là, il déclare fumigène. C'est l'erreur qu'il a fait pour moi, Delta. Sachant que tu restais de côté, sincèrement. Moi je vais traverser le fumigène. Voilà. Ici, observation est détruite, le moteur il est a été endommagé. Voilà, je finis. Un char de Churchill a été détruit. Et au milieu, on a découvert qu'ils ont refait un mortier. Le problème, c'est qu'on n'était pas au courant de ça. Donc, je m'en doutais personnellement. Donc, on va éviter de tenter le diable. On a perdu un dépôt, ils ont perdu un Churchill, donc c'est rentable pour nous. Ici, ben, j'ai mis des barbelés pour bloquer tout là. Voilà, comme ça, il sera obligé de passer par le haut ou par le bas. Ici, il m'envoie quoi? Deux escouades avec médecins. Ce qui est étonnant, c'est qu'il a jamais amélioré. Il y a une amélioration de RQG qui a permis d'avoir poussé un homme. Il n'a jamais fait de la partie. Pas avant un moment, ce qui est une grosse erreur. Il y a du pop à part ces squads là, sincèrement. Pour ma part, j'ai bientôt mon Storm Tiger. J'ai plus appelé un Tigre 2 ou un Storm Tiger. C'est un Tigre 2, je l'appelle de mémoire. Les équipes radio sont en attente pour déchiffrer les communications des blindés ennemis. Bon, j'essaie de récupérer l'essence parce que. Autant faire quelque chose qui dérange. Hein. Ici, il a mis des barbelés, c'est bien, comme ça, il. C'est bien qu'il a mis là, mais il est oublié là-haut. C'est un petit. C'est pas encore trop grave, c'est une petite erreur, mais ça permet de concentrer l'infanterie ici. Je refais mes escouades par prudence, j'ai pris le point, je gagne un peu d'essence, un petit coup en plus pendant un petit coup. On contrôle les flancs, pourquoi on ira au milieu? Voilà, c'est. On a deux étoiles, ils en ont qu'une. Et cette map en fait elle est bien pour les Britanniques et mal pour les Britanniques. Elle est bien parce que leur véhicule étant lent, ça bloque les mouvements des factions rapides, notamment les Américains sont assez désavantagés. Malgré la sortie du commandant Pershing. Leurs troupes restent assez désavantagées parce qu'ils sont pas assez mobiles, voilà. Les Anglais.
étant beaucoup sur la défense, tous les débris de bâtiments, tout ça, beaucoup les champs de vision, les lignes de tir, etc. Ils concentrent beaucoup les troupes sur certains axes, donc c'est pratique pour eux. Mais aussi c'est désavantageux pour eux parce que la map est grande, cette map là, map de ville. Et si elle serait plus petite, ça les arrangerait, l'argent. Et c'est sur les maps plus petites que ça pose problème, de toute façon. Oh, go. Oh, regardez l'intérieur, le bug. Oh. J'ai vu la texture d'un truc déjà effondré, en fait. Bon, c'est un petit détail. Un nouveau Churchill qui arrive. Sincèrement, avec un panthère, si je joue bien... Il va le faire débarquer, on sait. D'accord. Ah, vous mettez en position renforcée, c'est bon. Un emplacement est attaqué. Et là, je vais appeler mon tigre 2, c'est ça, j'appelle un tigre 2. Or ici, j'essaie un peu de défendre. Zulta a plus de vie. Zulta est un peu ligne de front, je replique en fait qu'il avance sa grenade, comme ça vous êtes derrière le temps de tir un peu plus longtemps. J'aurais jamais eu le temps de finir ça, mais ça aurait pu être bien de terminer. Et là, l'ennemi m'a appelé un Churchill Havre, qui va me faire très mal. Voilà, l'ennemi s'est replié. Donc moi, j'ai le Tigre 2 qui va arriver, donc c'est bon. Sans Oswin, s'il le perd pas, je crois qu'il le perd pas, il est sacrément du cul. Ouais, il est sacrément du cul. Son tigre est là, son panthère est toujours pas réparé, ce qui n'est pas normal. Et c'est... voilà, vraiment Delta, si j'ai un reproche à lui faire, je lui en parlerai, c'est que s'il est pas très... Au niveau de la réparation de véhicule, il fait un combat de véhicule, il laisse un moment en retrait, il le répare pas. Là, il devrait déjà être réparé quand il retourne au fond. Bon, c'est un petit détail, hein. Et là, l'ennemi me tire avec le Havre et il me tue. Aucune escouade. Quoique. Non, c'est lui, il m'en tue aucune. Mais là, surprise. Ah merde, ça rebondit. Attendez. Une information que j'ai reçue avant était plus résistante. Elle avait plus de vie que ça. C'est déjà pris quelques nerfs, hein, Churchill, mais... savoir que le Churchill se sort plutôt bien contre le panthère. Son panthère de France, pas trop. Il y a eu beaucoup de bugs, hein, qui pète son canon sur ce quad, qui aurait pu perdre son tigre. Beaucoup de réussite pour Delta, il y a eu de la chance de perdre aucun véhicule, le Oswin qui lui reste aucun PV, je crois. Regardez, il reste 100 PV. Son tigre aussi, il paraît rien. Il y a vraiment de la réussite. Alors là, je viens avec mon tigre 2. Et je vous conseille, en tigre 2, quand vous avez le camp d'ong que j'ai pris, de faire une amélioration du commandant Panzer, parce que ça augmente votre portée de vue. Et ce qui permet d'être à portée maximum, quasiment portée max de tir avec votre unité. Votre char tire plus loin que la vue de base. Et l'avantage de ça, c'est que vous permet de pouvoir visiter plus loin et de tirer de plus loin. Sorko, je précise. Et la mitreuse sur pivot, globalement, vous avez toujours des escouades de troupes d'infanterie qui vont avec. Moi, j'ai toujours des escouades de Bersoldaten qui tournent avec. Donc voilà. Donc moi je fais mes défenses, je sors l'étoile, tout se passe bien, je fais ma vie. Voilà, ici, le bleu n'a quasiment plus de troupes. Donc moi je me dis, attendez, ils savent pas que j'ai un tigre 2, on va le replier pour aller. Ouais, maintenant ils le savent. Là, ici sur la map, vous voyez un bombardement. Ça, le rond, le double rond, c'est un bombardement aérien.
Je replie par logique. Parce que je vois les fumigènes. Là, je vois les premiers avions arriver. Ça, je me dis merde, bombardement aérien. Là, je priorité à mes véhicules. Je m'en fiche du reste. Priorité à mes véhicules. L'infanterie peut mourir. Je ressasse priorité à mes véhicules. Et j'ai pu sauver mes véhicules importants. Voilà. Vous allez me dire, mais j'ai perdu 4 escouades d'infanterie. Enfin, Raketen, 2 escouades de Mercedes-Benz. On fout. Je peux pas reconstruire de véhicules. Voilà, la raison. J'ai pas été assez réactif, j'ai pas réagi, j'ai pas regardé fumigène, puis après regardé la minimap, j'ai bougé mon char et j'ai pas. Voilà. Ça a coûté 375 de munitions. 325. Et ça peut détruire un peu n'importe quoi. Il y a du bug là. Si je répare le véhicule là, ça se répare assez vite. Et là j'appelle une nouvelle squad de Mercedes-Benz. Donc d'un côté, mes pertes sont pas si importantes que ça. Et là, de l'autre, on arrive dans la partie. Là, et le char là devrait déjà être réparé, Delta. Ah, tu réparais ton swing? J'ai rien dit. Donc là, l'ennemi décide. Oh. Il décide de m'envoyer tout sur moi. Les deux joueurs, donc. Havre plus. Surchet standard. Ah, le Havre a coupé son. Ici, priorité à détruire ce véhicule-là pour éviter qu'il me contourne. Maintenant, je suis plus toujours de front. Normalement, j'étais plus réactif que ça. Maintenant, je tire dessus. Là, maintenant, je garde toujours mon balade frontal contre en face de lui pour augmenter sa chance de survie. Et voilà. Deux fois qu'il s'échappe avec pas beaucoup de vie. Mais il s'en échappe, et mon tigre 2 est encore en vie. Et on a détruit deux Churchill. Donc les Churchill ne sont pas une très bonne arme. Et maintenant je m'occupe du Havre. Je vais être en remote. Là je me doute qu'il a rechargé, donc je me dis, on recule. Tu t'es loupé. On y retourne. Alors ça je replie bien loin du front. Parce que j'avais peur qu'il avance avec une deuxième vague. En fait. Ah, c'est l'ennemi que j'ai reçu sur ce coup. Il a bien réagi, donc chacun son tour. Delta a deux blindés bêtement et l'ennemi a bien géré. Et de mon côté, ben, ils ont fait une erreur. Sincèrement, ils Churchill contre un Tigre 2. C'est pour ça que je vous dis que cette map-là est adaptée pour eux et pas adaptée pour eux. C'est qu'on va de voir la raison de pourquoi c'est pas adapté pour eux. Alors, deux escouades de Mercedes-Benz ici. C'est gourmand, j'admets. Mais le Havre a déjà tiré. Il n'y avait plus que les mortiers qui pouvaient me déranger. Donc, voilà. Ici, je n'aurais pas revécu là. J'ai fou. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai demandé à l'unité d'aller là, ben, il a fait tout le tour. Alors que je veux juste qu'il soigne du front. Voilà, c'est. Et là, on voit le Comet. Donc, le Comet, mon char n'est pas à fond. Je me dis prudence, prudence. Et regardez ce que je peux appeler. J'ai 3 blindés et peu d'infanterie, c'est vrai. Mais le blindé que j'ai, ça va un sort de ta gueule. Ouais. C'est pas moi de m'occuper du planeur. Je sais que ces roquettes traversent le milieu, je sais qu'ils ont une arme au milieu. D'ailleurs, je crois qu'au deuxième 2, ce véhicule-là va plus loin. Non. Non, je sais pas quel gars. Mais si je me dis, je me mets là, je vais apporter de tir. Ah, je peux pas. Je traverse trop de choses ou. Il peut pas, donc il doit avancer.
Ah, je dis, je tire mon tir, t'attends à fin de son renforcement, puis après tu vends son bordel. Ton bombardement aérien. Voilà, maintenant. Ah, il répare. Chier. Voilà, là il tire son artillerie. Maintenant il a tiré son artillerie, t'attends. On sait qu'il répare. Là il faut attendre. Et là il balance un bombardement aérien alors qu'on sait que la compétence dure 30 secondes. En fait on aurait pu y détruire, ce bombardement aérien n'aurait pas été envoyé comme ça. Parce que les dégâts étaient nuls. Mais bon, c'est pas grave, c'est une petite erreur, voilà, c'est... Il joue pas beaucoup à Company of Heroes 2, donc je n'en veux pas, c'est des petits détails à rattraper plus tard. Donc mon Storm Tiger, c'est la première fois que je fais ça Storm contre les Anglais. Généralement je jouais avec eux, mais maintenant on va un peu jouer. Le bâtiment est très pratique. Ah, je fais un long tour pour ramener vers chez moi, parce que maintenant il sera à moi, je n'aurai besoin. Je recharge ici. Ça va prendre 50 secondes. On arrive vers la fin de la partie, ne vous inquiétez pas. Ça peut être très long, je crois qu'il doit rester 5 minutes. Voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'ennemi a voulu me contourner par le fluent. Cependant, j'ai eu l'idée de foutre des mines. Voilà, il y a une erreur de synchronisation. On a gagné. Donc là, c'est le replay, ça arrête à ce moment-là. Il a bugué, mais on a gagné la partie. En fait, là, je vais avancer avec ces deux chars là. Je vais détruire le... Voilà, donc là, on va quitter le match. Malheureusement, je ne verrai pas les statistiques. À ce moment-là, le short shield va... Je vais le détruire et l'adversaire va me mettre GG et il quitte la partie. Voilà. Ils avaient plus de blindés. Et c'est à ce moment-là qu'on a gagné. Bon, il y a une erreur de synchronisation, le replay a bugué. Et j'y peux rien. Mais voilà. Ah, c'est quand même les statistiques, donc c'est pas plus mal. Donc, voilà, j'ai pas fait plus de kills, mais des gains fichés, j'ai quand même tellement de blindés, voilà. Bon, après, voilà, Delta venait de s'y remettre. Sincèrement, pourquoi nous qui venons de nous remettre un peu au jeu, on arrive à se sortir comme ça, je trouve que c'est pas trop mal. Par contre, il y a un souci, c'est qu'actuellement on gagne plus d'XP quand on gagne les batailles. Voilà, c'est. Donc, les Overlords d'armée sont toujours supérieurs à ce ennemi. Bon, globalement, l'adversaire direct de Delta était le bleu, donc quand lui perdait des troupes, l'ennemi a perdu des troupes aussi. Bah, c'est à peu près constant, donc à part une petite perte là, c'est d'être son panthère, son océan qui perd ici. Ça va. Donc niveau efficacité, je vous montre vite fait, il y a les troupes. Donc les troupes ont été très efficaces. Fonds de ressources, tiens, voilà. Globalement, ça se voit que là, je suis à peu près full cap et j'attends mon Tigre 2, que je commence à appeler, là, Jagdpanzer 4, Tigre 2, Storm Tiger, c'est ici, Storm Tiger c'est le dernier, c'est Tigre 2, ici c'est mon Jagdpanzer 4 je crois. Même si je trouve que ça fait un gros pic pour Jagdpanzer 4, je vais appeler Jagdpanzer 4 plus troupe d'infanterie à mon avis en même temps. Donc attendez, il y a quelques minutes, non, Jagdpanzer 4 il était ici, ça c'est le Tigre 2. Ça c'est quand je perds mon... Voilà. Ça c'est quand je perds mon infanterie à bombardement et que je rappelle mon infanterie, donc plein de 3 escouades de d'Uber Soldats. Et ici c'est quand Storm Tiger arrive, voilà. Ressources, ça va, les points détenus, bon, on est toujours un peu plus au-dessus niveau points détenus, donc toujours un peu plus de ressources. J'espère que ce replay vous a plu, je vous dis à une prochaine fois, d'ici à portez-le bien, et à tout le monde.